tout le monde. Il reste deux chapitres pas très intéressants, donc on va faire la dernière de comment être connu sur YouTube. Allons-y, YouTube Analytics. Alors, cet outil créé par Satan est selon eux très utile. Pourquoi? Parce qu'il permet de comprendre ce que les gens aiment et n'aiment pas sur votre chaîne. Par exemple, si vous apercevez d'une baisse d'abonnés, vous devez donc regarder les derniers commentaires qui sont arrivés et vous comprendrez pourquoi il y a une baisse d'abonnés, hein. Et aussi, si dans la durée de visionnage d'une vidéo, la courbe redescend très vite, c'est-à-dire là, elle est comme ça, un truc comme ça quoi. Eh bien, c'est que peut-être votre vidéo n'est pas très agréable à regarder. Et que donc dans ce cas-là, il faut améliorer votre vidéo. Enfin, faire des vidéos de meilleure qualité quoi. Enfin merde, la monétisation. Ah, le blé. Alors, ce que je peux vous dire dessus, c'est que YouTube conseille de fixer des objectifs. Et c'est tout pour le moment. J'ai pas de conseils pour... de fric. Alors après, il y a des chapitres spéciaux qui sont spécifiques à chaque type de scène. Donc là, je vous conseille de voir la YouTube Creator Academy. Je crois que c'est les derniers chapitres en fait, je crois. Mais je suis pas sûr. Cherchez par vous-même, vous verrez bien et là, vous serez content. Et quant à nous, nous allons se retrouver dans les guides et astuces sur YouTube où là, on fera des tutoriels. Ce sera super génial. Enfin bref, vous verrez. Et comment dire déjà? Ah oui, salut à tous.